Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. La fois dernière, j'avais fait une vidéo et j'ai parlé de comment faire pour diviser l'écran de ton téléphone en deux. Et j'ai parlé d'une application et cette application, ça fonctionne quand il y a la connexion. Aujourd'hui, je suis venu pour vous montrer comment le faire, comment partager l'écran de votre téléphone en deux parties. Faire TikTok en haut et faire YouTube en bas, toi-même tu vas choisir comment tu vas le faire. Maintenant, je vais t'apprendre comment le faire sans connexion et sans application. Avec ton téléphone seulement, tu peux le faire. Avant de t'apprendre comment le faire, je t'invite à t'abonner, like et puis partager la vidéo. On y va. Maintenant, ici, tu fais comme si tu veux rentrer dans une application. Maintenant, par exemple, ici, je suis rentré dans l'application. J'appuie comme si je veux sortir par le cadre. Maintenant, ici, j'appuie sur le logo. Logo là, j'appuie comme ça. Ici, j'appuie sur le logo là. Maintenant, comme j'ai appuyé sur le logo, il y a trois options. Il y a écrit info sur l'application, partager l'écran partagé et suspension d'appli. Maintenant, ici, on va appuyer sur écran partagé. Lorsqu'on a appuyé sur l'écran partagé, vous voyez que l'écran est divisé en deux automatiquement. Maintenant, ici, on rentre dans l'application qu'on veut. Par exemple, messagerie. Messagerie, vous voyez, il y a un message en bas. Tu peux écrire n'importe quel message que tu veux. Ici, tu écris message que tu veux en bas. Et maintenant, Google, photo qui est en haut, tu peux défiler, voir la photo que tu désires en haut. C'est pas bon ça? Tu fais tout ça là sans connexion. Il n'y a pas de connexion. Tu ne dois pas utiliser connexion. C'est avec ton téléphone uniquement. Maintenant, ici, je l'ai fait avec mon téléphone Google Pixel. Maintenant, le Google Pixel, c'est comme ça. Je vais vous montrer comment le faire avec les autres téléphones. Maintenant, ici, vous voyez que j'ai appuyé sur retour direct. C'est comme ça. Maintenant, si tu veux effacer que tu ne veux pas que l'écran se divise en deux, tu pousses ça comme ça et puis c'est terminé. Maintenant, je vais vous apprendre comment le faire pour avec les autres téléphones. Écrivez votre téléphone en commentaire et puis je vais vous apprendre comment le faire avec les autres téléphones. Sur ce, ciao.